Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode de Fallout 4. Donc maintenant que nous sommes rentrés de Far Harbor dans le dernier épisode, nous avons, enfin dans l'avant-dernier épisode, nous avons continué notre périple dans les terres désolées du Commonwealth. Et donc nous entrons dans le pavillon Sedgwick, je sais pas, bref. Dans le pavillon universitaire d'University Point, hein, si je ne me trompe pas le nom de la région, enfin de la zone en tout cas. Et nous allons voir, j'ai cru... Tiens, c'est marrant, c'est... C'est pas comme ça que je l'aurais imaginé l'endroit. Allez ! Oh là là, le clic droit qui revient pas. Ok, il y avait un explosif. Pour rien, pour le plaisir. Ah, je m'attends à voir des ghouls là-dedans, soyons honnêtes, hein. L'endroit est très très bizarre, c'est comme s'il devait y avoir de la vie mais qu'il n'y en avait pas. Oula, j'ai pas vu le niveau, niveau maître, d'accord. C'est pas la première maître qu'on voit dans la région, à chaque fois ça a été assez intéressant d'ailleurs de voir ce qu'il y avait derrière. Hop. On va aller vérifier ça. C'est bon. Je regarde juste, hop, voilà, d'accord. Ok, terminal du doyen. Soit je tape dans quelque chose, soit il y a quelque chose dans le coin qui tape dans autre chose. Oh là là, je sens, je sais pas pourquoi je sens la grosse bébête. Déverrouiller, avancer. Hop, je l'ai bien senti. Génial. Vous savez, les endroits comme ça, il y a de la carcasse. Ah non, ça va. Attendez à pire. Vas-y, Canigou. Vas-y, vas-y, c'est bon. Pas de soucis. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à une plus grosse bébête, en fait. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bonjour. Vous êtes... Cette unité fonctionne à pleine capacité. D'accord. Rien à signaler, monsieur. Analyse en cours. Sujet. Et la syntaxe labiale, tout ça, non? Ça te dit rien? Porte ouvrir, mais c'est une porte-porte ou ça? D'accord. Parce que je vois Exit au-dessus, donc bon, je me pose des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc sympa. Par truc sympa, j'aurai une arme de corps à corps. Si je veux bien. Voilà, merci. Et on va se mettre de la lumière. Voilà. D'accord. Mis à part ça, rien dans le coin. Je comprends pas trop le système de la zone. Je vois pas ce qu'il est censé y avoir d'important. Est-ce que c'est une mission pour le réseau du rail ou un truc comme ça? Et du coup, comme j'ai décidé de choisir l'institut, j'y ai pas accès. Ouais. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Il n'empêche que c'est très bizarre. Une ours qui se planque. Tout en plus, si la zone n'est pas complètement nettoyée, entre guillemets. On a pu voir qu'il y avait des fongeux. Après, est-ce que les fongeux s'intéresseraient à des êtres non humains? Elle est là la question. Un joli casque. Il faut limite. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Il faut limite squelette de Skyrim en fait, un petit peu. C'est un peu ça. Hein. Oh. Sympa. Il y avait moyen de monter comme ça. Bon, il doit y avoir un truc parce que sinon on pourrait pas nous permettre d'y aller. Voilà. Ça servait à rien de nous mettre tout ça si voilà quoi. Ok. Ah. Alors. Hop. Joli. Flaming Bolt, why not? Faudra vraiment qu'on se fasse une tenue qui puisse aller avec le fonctionnement de l'arbalète. Ça m'intrigue.
Est-ce qu'on va avoir le temps entre deux épisodes, entre avant la fin de la série? Par contre, ça c'est pas dit. Vu que je tourne beaucoup, 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 beaucoup en ce moment, ce n'est pas dit. Alors, attendez, il y a une zone ici, et est-ce qu'on peut rentrer dedans du coup? Je pense que oui. Je pense que non. Et ici non plus, d'accord. Pratique comme endroit, dis donc. Ils ont pas peur, hein. Voilà. Ça résout le problème. Qu'en pensez-vous? Hop. Crac. Et donc, de l'extérieur, en fait, on pouvait rentrer à ce niveau-là. Ok, mais ça me dit toujours pas le pourquoi du comment de cette région, de cette zone. Alors... T'es toujours là, t'as pas bougé d'un pouce. Alors, là il y a un trou. Bonjour. Bonjour monsieur. Attendez, c'est le chef, peut-être que peut-être quelque chose à dire. Analyse de l'identité inconnue. Autorisation confirmée. Rapport d'état. Toutes les fonctions sont normales. D'accord. Rien d'intéressant. Note de Jacqueline. Me pousse pas. Note de Jacques... Mais putain... Ah mais... Il m'énerve. Note de Jacqueline. Divers. Ah oh. On en a fait des choses, hein. Ah. Note de... Bah merde. Là voilà. La majuscule était avant. C'est pas vrai, l'institut est là, je les entends qui se battent dehors. Papa, j'ai compris où étaient les données, mais je crois que c'est trop tard, désolé. Oh, Jacqueline, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un que connaît la personne que... Oula, il y a une quête. Mm-hmm. D'accord. Okay. C'est chiant, ça met 30 ans à apparaître. Hop, dernière note de recherche énergétique. Donc il y a bien quelque chose à chercher. D'accord. Ah bah oui, c'est le prototype qui était derrière, d'accord. D'accord, donc ça c'est le prototype, c'est autour du prototype. D'accord. Analyse en cours, sujet identifié. Tout ça, ça c'est l'histoire qu'il y a autour du prototype. Donc en fait j'ai parlé d'une quête qui en fait existe peut-être. J'ai dit qu'elle n'existait pas alors qu'elle existe peut-être. Porte avancée. J'imagine que ça correspond à la porte qu'on aura dû prendre normalement. On nous rentre de l'autre côté de la barrière. Même pas. Tu as donc. Alors, il doit y avoir quelque chose dans le coin. Il doit y avoir quelque chose dans le coin. Il doit bien y avoir une raison à tout ça. Pourquoi c'était verrouillé? Pour de la vodka? Pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone qui nécessitait de verrouiller le... Oh là là! J'ai l'impression que cette zone a été complètement... finie à... à grande vitesse, en fait. Bâclée, littéralement bâclée, hein. Et qu'en fait, il n'y avait rien. Je cherche des choses, en fait, à un endroit où il n'y a rien. C'est ce que j'ai l'impression. Et c'est absolument terrible. Si tu le dis. Une cartouche, un nounours. Ah, il y a une BD par contre. Tesla. Ouais. 5% de dégâts critiques supplémentaires, dégâts critiques, donc inutile, hein, c'est juste le SVAV. Hein.
Faut pas se voiler la face. Ça, je trouve ça stupide par contre. Être obligé d'utiliser le SVAV, je trouve ça stupide. Après, c'est mon avis, hein. Encore une fois, hein. Je vous rappelle que vous avez vraiment le choix de. De vos avis. Hop. Hop. Il y a de l'eau partout. Ok, là c'est dégueulasse par contre. C'est de là que je viens ou. Ah! Les mecs! Pourquoi quand j'attaque les machins? En plus, ça m'active le truc à chaque fois. J'espère que j'ai pas mis les autres trous du cul en colère. Génial. D'accord. Je vois où je suis. Ok. Je vois encore mieux où je suis. Tools. Ah non, c'est parce que eux, justement, ils ont eu peur à cause du combat. Eux, ils ont eu peur. D'accord, why not? T'as peur si tu veux, hein. Oh, une clé. Clé de la barricade de Gérald, d'accord. Une arme. Des cartouches. Ça devait être le Gérald en question. Terminal de Gérald. Drone. Non. On en a une. Ouais. Mine, c'était le A. Le A. Journée personnelle, relais de message. D'accord. Rien d'intéressant. Attends, à moins que. Joséphine. C'est ma cousine, c'est la d'être triste, j'ai pas envie de dire ça. Je suis là pour rigoler, chers amis, pas pour me plomber le moral. Ventouse. On me la mettre dans le fion plus tard. C'est pour déboucher. Ça marche très bien, je vous invite à essayer. Hein. Bien sûr, ne le mettez pas du côté de la ventouse, mettez-le du côté du manche, hein, littéralement. C'est bien plus agréable. Alors. Signaler, monsieur. J'aime bien quand il me donne du monsieur comme ça, c'est sympa. Hop, je prends le cendrier. Ah. Hop. C'est bon. Les cartouches sont à moi. Ok. Plaque d'identification, je prends. Hein, pour ce que ça me sert. Hop. Allez. Ah, il est solide, hein. Dégage. Mais non, mais qui est con? Mais non, mais... Me cogne pas, hein. What? Ah bah là ils bourrent les mecs, hein. Pas bien. Bien. Écoutez, essayez de le péter, puis... Un signe de vie. Hop les... Ça s'est fait juste derrière la nuque. Oui. Eh oui, mais ça me fait ça sur les petits ennemis, je préférais sur les gros, moi. Débile. Ah. Là il y a des choses. Novice. Oh bah dis donc, on va pas trouver grand chose en fait. Ok. Crac. C'est bon, on l'a eu. Ça y est. Ok. Cuillère à soupe en argent, non. Pas besoin. J'ai déjà la mienne, merci. Je préfère manger avec mes couverts, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Tout dans la région, voilà quoi. Jeu de société Blastradius. Ah, il fait pas l'attaque sautée, c'est dommage. Oh. Aïe. Vas-tu finir par mourir un jour? Distance.
Hop. Voilà. Oh le pauvre, c'est pas la forme. Vous croyez que je peux utiliser un kit de... Non, je sais pas comment ça marche et j'ai peur de faire de la merde. Ok. Ok, ok. Bon. La sortie, c'est par où? Ah, voilà. Bon. Somme toute, un bâtiment pas hyper intéressant, hein. Faut pas se voiler la face non plus. C'est pas le bâtiment le plus cool du monde. Bon, il avait un petit truc, en fait, il avait une petite quête de recherche à faire dedans, mais qui était pas vraiment une quête, c'était juste des informations à trouver vis-à-vis du prototype. Mais bon, à part ça, vraiment rien d'intéressant à nouveau, hein. Carte, est-ce qu'on a des choses sympas dans le coin? J'aimerais bien que tu m'enlèves le marqueur, s'il te plaît, merci. Hop. On va aller à Peabody House et on va se diriger vers le sud, aller voir s'il y a quelque chose ou pas un peu plus au sud. Ça pourrait être rigolo. Hop. C'est de la balade, hein, c'est simplement de la balade, chers amis. Hein. Alors. Enfin, si le chargement veut bien se faire. Un jour ou l'autre, je chargerai le jeu. Alors. Sud. Oh, ça a l'air sympa dans le coin. C'est drôle, je m'attendais plus ou moins à ce genre de choses. On a une usine là-bas. On va y aller. Ah, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de balles dedans. Bon, là-dedans, j'en ai un peu plus. Il n'y aurait pas des super mutants dans le coin, un truc dans le genre? Souvent, les super mutants et les usines, ça va de pair. Tiens donc. Ça vous étonne, vous? Je me cache. Y a quelqu'un? Pas de bagarre aujourd'hui. Je vois personne sur le radar, pourtant. Où est-il? Disparu. Oh là là, on voit que Pouic, hein. Bon, bourrage. Bourrage. C'est miné, génial. Hello! Hop! Quoi? Comment ça ton bras? Je pensais que t'étais mort. Hop! Attention! Kenigou, fais gaffe! Hop, l'ennemi légendaire a muté. Il est solide le bonhomme, hein. Oula! Voilà qui ressemble vaguement à une ulfateuse que je viens d'entendre. Kenigou! J'entends plus Kenigou. Il va nous falloir une vraie arme. Ah, c'est pas ce à quoi je pensais. Ok. Dégage. Aïe. Bon. Marche pas des masses. 9, nous avons ça. Ah.
Ah! Sur combien de légendaires? Ah! Je crois que la mine est tombée. Oh la gueule! Big Mac! Y'a un Big Mac! Y'a un Big Mac! Je sais pas ce que c'est qu'un Big Mac. Il va nous falloir une vraie arme. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui! Ok! Eh le Big Mac! Je le vois plus! Je le vois plus! T'as plus de balles depuis une demi-heure, Big Mac! Ok, si avec ça je touche pas, je toucherai. Mais t'avais pas déjà muté toi une fois déjà? Mais oui, t'as tout qui est touché! Putain, ils sont deux légendaires en fait. Il est tout qui est touché. Il est entièrement dans le sac, le garçon. Regardez, il est en mode décès. Ah non, attendez, il a encore une jambe droite qui est solide. Voilà, il est complètement cassé, le pauvre garçon. Mais meurs! Ça y est. Il avait un bâton. Il avait un pauvre bâton. Heureusement que j'ai des balles plus ou moins illimitées là-dedans. Non, non, toi c'est fini aussi, toi. Pas passer loin. Bon, et une vraie arme sinon? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Kanigou, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a du mieux? Je ne sais pas. Il n'a pas répondu. Il a l'air de me bouder un petit peu. Je me demande si je lui ai pas mis quelques cartouches dans le nez aussi. Ah, lecteur de badge. Datomatoys. D'accord. Attends, il me faut un badge, voilà autre chose. Big Mac, il avait pas le badge sur lui. T'es qui toi? D'accord. Big Mac! Plaquette crânienne. What the fuck? D'accord, et donc c'est quoi? C'est juste des trucs. Ok, why not? Je vais bouffer. Tu vas bouffer mon chien? On est d'accord, c'est bien ce qu'il a dit. Un casque. Dans le bureau, y'a rien. Y'a un bout d'armure. Qui c'est qui veut avoir mon chien? Je trouve pas l'escalier pour monter. C'est chiant. Alors ici, pas du tout. Je le vois tirer sur mon chien mais je peux rien faire alors qu'il y a l'escalier qui est juste là. C'est terrible. Donc Kanigou a réussi à monter mais pas moi. Attendez. Non. Non non. Il me tire dessus hein. Ah bah attendez. Voilà. Tout simplement. Ok, t'as fait quoi de Kanigou? Boum! C'est fait! Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant que je t'ai tiré dessus? Pauvre Kanigou, allez tiens, bouffe! Cadeau! Cadeau de la maison! T'as intérêt à ce que ça te suffise! Alors! Kanigou a trouvé quelque chose. Ah, attendez! Trouver la carte? Aurais-tu trouvé la carte, l'ami?
Je m'attends au pire. À trouver une canette. Oui, bah le coffre. Mais qu'il est con. Ça semble bon maintenant là. Ou alors c'est de ça que tu parlais? Oui, j'ai bien vu qu'il y avait un coffre. Il n'y a rien dedans, il est vide. Débile. Il est débile. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de la clé. Alors, attendez. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. J'ai rien dit. Peut-être par là. Non. Alors, la clé d'automate machin. De l'eau sale. J'y ai cru l'espace d'un instant. D'un seul petit instant. Clé d'automatoïde. Alors. Ok. Ok. Sur le bureau dans le coin. Oh putain, oui d'accord, c'est ça. Oh la gueule. Comment voulez-vous que je vois ça, moi? Par contre, sa tiroir est dans un coin. Alors, c'est par où? Jack, c'est par là. Hop. What the... T'es sérieux, là? C'est juste pour du udada. Ah, attendez. Non, ça doit être pour la porte, mais... Je veux bien y croire. Non. Oh, la gueule. Tout ça pour ça. Oh, c'est décevant. C'est décevant. Comment on peut faire un RPG décevant? C'est débile. Enfin. Vous savez que j'adore les marais, on va s'y diriger. Juste pour voir ce qu'il y a là-bas. J'adore ça les marais. J'adore ça les marais. Alors? Oh là là. Attendez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Chantier de Murkwater. Reine des fongeux. Ah oui, elle est là. Je l'avais pas vue. Boum. Ah bah. Attends, t'as pensé que t'es faible à ce point, honnêtement. Boum! D'accord, on a les becs, on a le buste, on a les bras. Les jambes. Je me demande si j'ai touché en fait, finalement, au niveau des jambes. Oula! Tire, bon Dieu! Voilà! Oh, bonjour! Merci d'être passé. La suite, s'il vous plaît. C'était juste ça. Ah, je le sens tellement bien, le juste ça. Ah, attendez. Ah, non. Fouiller.
Ah, je peux enfin utiliser ce truc. Génial. Depuis le temps que j'attendais de pouvoir le trouver. Oh là là. Remarque, il doit être assez... assez sympa vu que... Comme il y a très peu de choses autour... On peut potentiellement faire quelque chose de bien. De ce côté-là, je peux comprendre. Puis c'est pas une zone habituelle. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et les limites. Est-ce que les limites... Ah, les limites sont assez grandes en plus. Hein. Bon. Intéressant. Intéressant. Eh bien, écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'oubliez pas de trouver le lien de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens et yaaah!